Donc, ça parle de reconstruction, ça parle d'invention, en fait, de cabane, de réimaginer l'espace. Un espace qui serait vraiment à toi, à nous, ouvert, vraiment ouvert. Sans plus que le principe, c'est quand même accueil inconditionnel. Donc il y a les terres, il y a l'espace, quoi. Ça parle de viens, 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 viens vivre et inventer. Viens chez nous, viens créer ta vie, tout ce que tu as envie de faire quand tu veux pas, quand tu peux pas faire l'État. L'État t'en empêche, viens ici, viens vivre, viens faire un potager, viens faire des cabanes, viens manger avec nous. Par exemple, quand même, prendre la parole, le tour politique, il y a une idée aussi, il y a un théâtre. L'idée aussi de voir comprendre un peu tout ce qui s'y passe. Tout ce qui s'y passe, quoi. C'est pas comment dire ça. C'est peut-être pas la révolution, mais c'est une sorte d'évolution de vision. Tu vois? Il faut quand même l'ouvrir, ce putain de monde. Qui on va encore éliminer? On va continuer comme ça? Continuer comme ça? Hein? Hein? Tous ensemble! Tous ensemble! Il y a une belle chanson, quoi. Magazine, écriture, atelier, rap, tout ce que tu veux, tu l'inventes. L'espace, il est là. On construira autant que tu démontras, mon pote. Kaya, loin de la forêt. Comprends-le bien. Comprends-le bien. Si car ou terrestre, je sais pas comment je vais le payer, mais comprends-le bien. Ça va pas s'arrêter, hein. Ça va pas s'arrêter. Béli. Ouais, top. Le principe, c'est quand même aussi un rapport à Calais, là, t'as G7 à Biarritz, bon, tu parles des gilets jaunes, hein. C'est quand même aussi un principe de savoir dans quel monde ça se passe et ce qu'on y veut, en fait. Et c'est un principe de résistance, c'est un principe aussi de bienveillance, c'est un principe de rapport ensemble. Et j'ai comme l'impression que si on n'y choisit pas le côté sur une veille que sur la sécurité, il y a encore plein de gens qui meurent. Il y a plein de prisons. Ça n'arrête pas. Soit de rétention. Comment tu vas meurt, quoi. Et quel humain se choisit? C'est ce qui passe comment? Et qui devrait décider que quoi? Qui va aller sur Mars? Combien n'est pas détruit? L'Amazonie? Le truc écologique? Je sais pas. Comment est-ce qu'on peut pouvoir faire en sorte que les enfants puissent grandir. C'est quand même, il y a quand même quelque chose. On y est, non? On y est. Et donc, bien, bien, qu'on y pense ensemble, c'est bordel. Qu'on y pense ensemble, sinon quoi? Sinon quoi? Vont mourir, combien de gens, combien de pères, de mères vont séparer de ses enfants, combien, et sur quelle loi, et sur quelle règle, bien, s'il te plaît, bien, qu'on y pense, c'est le bordel.